La chronique gestion des déchets, en partenariat avec la communauté de communes du Pays d'Autel et Ruraloise sur Radio Chambly. Bonjour à tous. Quatrième chronique dédiée à la gestion des déchets aujourd'hui. Et après avoir expliqué à quoi sert le tri sélectif et développé ce que nous pouvons mettre ou ne pas mettre dans le bac bleu, nous nous attaquons aujourd'hui au bac jaune. Toujours avec Gaëlle Chabot, chargée de prévention auprès de la communauté de communes du Pays d'Autel et Ruraloise. Alors Gaëlle, dans ce bac jaune, que mettons ? Alors déjà, je rappelle que les consignes de tri pour le bac jaune dépendent d'où on habite. Donc là, les consignes de tri correspondent aux communes du Pays d'Autel. Dans ce bac à couvercle jaune, on a le droit de mettre trois flux différents. Les bouteilles et les flacons en plastique, les briques alimentaires et les emballages métalliques. En fait, il s'agit de la poubelle vraiment pour les emballages. Pour vous présenter ce qui peut être mis dans la poubelle jaune, on peut réfléchir en type de famille. Donc il y a d'abord la famille des bouteilles et des flacons en plastique. Les bouteilles et les flacons que l'on peut mettre dans la poubelle jaune, ce sont les bouteilles de lait, de jus de fruits, donc celles-là on a l'habitude, on les connaît bien. On peut aussi mettre les bouteilles de produits d'entretien, que ce soit lessive, produits vaisselle, et même quand c'est une bouteille avec un vaporisateur, c'est juste un bouchon qui a une forme particulière, mais par exemple la bouteille de produits à vitres, pour nettoyer les vitres, il n'y a pas de souci, peut aller aussi dans la poubelle jaune. Même si ce sont des bouteilles qui ont contenu des produits dangereux, comme par exemple du white spirit ou des choses comme ça, on peut les jeter ? Alors par contre, non. On s'arrête en fait aux bouteilles de produits d'entretien ménager traditionnels. Quand on passe aux produits chimiques potentiellement dangereux, donc par exemple comme le white spirit, ou même comme les bouteilles de déboucheurs chimiques pour les canalisations, là il faut absolument les ramener dans les déchetteries ou les points propres. Une petite question, parce que ça me travaille au quotidien, la petite opercule en aluminium au-dessus de la bouteille de lait. Qu'est-ce qu'on en fait, Gaëlle ? Alors, cet opercule, il est mieux de l'enlever, puisque ce n'est pas la même matière que la bouteille en plastique. Par contre, l'opercule, ensuite, est trop petit pour être mis dans la poubelle jaune. Tout ce qui est mis, en fait, dans la poubelle jaune, on dit que ça doit avoir une taille qui est plus grande que la paume d'une main d'adulte. Tout ce qui est plus petit sera perdu sur la chaîne de tri. Donc cette fameuse opercule dans la poubelle ménagère. Voilà. Très bien. Sinon, dans la poubelle jaune, par rapport aux bouteilles en plastique, bouteilles et flacons, un objet que l'on a tendance à oublier, ce sont les bouteilles de shampoing et de gel douche. Parce qu'on ne les jette pas souvent et aussi parce qu'ils ne sont pas dans la même pièce que la poubelle de tri. Très bien. Est-ce qu'il y a une généralité, par exemple, pour qu'on ne se trompe pas ? Est-ce que, par exemple, on peut dire que c'est tous les récipients qui ont un flacon ? Alors, ce sont les récipients qui portent le nom de bouteille, bidon ou flacon. Très bien. Donc, par exemple, les pots de yaourt, on les met à la poubelle normale. Les barquettes en plastique de viande, par exemple, ou de fruits et légumes, on les met à la poubelle normale. Tous les sachets en plastique, c'est aussi dans la poubelle normale. Par contre, dès que c'est métallique, on met également dans le bac jaune. Là, en fait, je ne parlais que de la famille des bouteilles et des flacons en plastique. Si on change de famille qui va toujours dans la poubelle jaune, là, on peut parler effectivement des emballages métalliques. Et là, effectivement, on peut mettre les boîtes de conserve, les canettes de jus de fruits, de soda. Par contre, on a aussi des emballages métalliques que l'on a tendance à oublier, comme les bouteilles de sirop métallique. Les pots de yaourt, certains sont en aluminium. Et nous avons aussi toutes les barquettes aluminium qui permettent de soit congeler, soit ensuite cuire au four, comme les fonds de certaines quiches. Et toutes ces barquettes aluminium peuvent être mises dans la poubelle jaune. Même si y a un peu de sauce dedans, si dedans c'est un plat en sauce, on peut quand même jeter, ce sera valorisé ? Oui, alors pour la poubelle jaune, là on n'a pas besoin que les déchets soient propres. Il faut juste bien les vider, il n'y a pas besoin de les nettoyer. Pour la barquette par exemple de lasagne, il suffit de bien nettoyer, de bien gratter au maximum, ça suffit. Pour les bouteilles, par exemple, de jus de fruits, il faut bien les vider, ne pas laisser les 2-3 cm de liquide dans le fond, mais bien vider, il n'y a pas de problème. C'est pareil pour les flacons de ketchup, de mayonnaise et d'autres sauces. Bien vider, on peut aussi les mettre dans la poubelle jaune. Et la troisième famille qui peut être recyclée, ce sont les briques alimentaires.
Donc, pour rappel, ces briques contiennent du carton, du métal et de l'aluminium, et c'est uniquement la partie carton qui est recyclée. Et donc, dans les briques alimentaires, on oublie souvent de mettre les briques de soupe, les briques de crème fraîche, mais il n'y a pas de souci, bien vidé aussi, ça peut aller dans la poubelle jaune, tout comme les briques de lait et de jus de fruits. Et une fois que tout ça s'est trié, par la suite, qu'est-ce que ça devient ? Alors, on va rester sur nos trois grandes familles. Dans la famille des bidons, bouteilles et flacons en plastique, là, on a séparé les plastiques en deux grandes familles. On a les plastiques opaques. Et donc, là, on va pouvoir fabriquer de nouveaux objets. Par exemple, ça peut être un arrosoir, ça peut être justement les poubelles de tri que l'on peut mettre sur le trottoir ou un seau en plastique. Et la particularité des bouteilles transparentes, c'est que là, on peut les transformer en fil de façon à créer des tissus synthétiques. Les pulls polaires, par exemple, peuvent être fabriqués à partir de bouteilles d'eau que l'on a recyclées. On fabrique également comme ça aussi le rembourrage des nounours, les couettes et même les tissus qu'on peut trouver dans les voitures, que ce soit les sièges, les rembourrages. Il y a une vraie utilité donc à prendre soin, à bien trier. Effectivement. Alors pour les briques, comme c'est du carton qui est recyclé, on le retransforme de nouveau en emballage carton. Et pour les emballages métalliques, là c'est vraiment important de bien les mettre dans la poubelle jaune parce qu'on les recycle à l'infini. Et on va pouvoir refabriquer de nouveaux emballages en métal ou de nouvelles pièces métalliques, des boules de pétanque, des parties de carrosserie, n'importe quelle pièce métallique en fait. Alors la semaine dernière, quand on parlait du bac bleu, il y avait aussi des petites particularités ou des exceptions. Il y en a également pour le bac jaune ? Dans le bac jaune, il faut faire attention à bien mettre tous les déchets en vrac. Ne pas les imbriquer les uns dans les autres, parce que sinon ensuite les trieurs sur la chaîne de tri n'ont pas le temps de retirer la bouteille plastique que l'on a mis dans la boîte de conserve, qui elle-même a été placée dans un autre contenant. Pour les bouchons, n'hésitez pas à les laisser sur les bouteilles, bouchons plastiques sur bouteilles plastiques, ils seront recyclés par la suite, à moins que vous préfériez les donner à une association. Est-ce qu'il y a des erreurs récurrentes dans ce type de tri ? Oui, effectivement, pour beaucoup de personnes, la poubelle jaune est devenue la poubelle du plastique. Alors qu'en fait, ce sont uniquement les bouteilles et les flacons en plastique, en plus des briques alimentaires et des emballages métalliques. Donc, tout objet plastique ou tout emballage plastique qui ne porte pas le nom de bouteille, de flacon ou de bidon ne peut pas aller dans la poubelle jaune. Donc les sachets plastiques, comme je disais au début, ne vont pas dans la poubelle jaune, les pots de yaourt non plus, et tous les jouets, tuyaux d'arrosage et autres... Le seau cassé par exemple. Voilà, tout ça. Ou même un cintre, ce n'est pas un emballage. Très bien. Si on a d'autres questions, on contacte directement la communauté de communes du Pays de Telle et Ruraloise. Oui, alors notre numéro c'est le 03 44 26 99 50 et l'astuce à savoir c'est quand on hésite, il vaut mieux mettre son déchet aux ordures ménagères. Merci beaucoup Gaëlle. Tous les reportages et toutes les interviews de votre radio sont à retrouver sur radiochambly.fr ou sur la page Facebook Radio Chambly.